Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, nous allons faire un lollipop noir, jaune, rouge, vous l'aurez deviné, aux couleurs de la Belgique. Alors, facile, de la pâte Fimo, ben noir, jaune, rouge, et des petits morceaux de cure-dent que j'ai découpé pour faire les petits bâtonnets du lollipop. Avec les boules de couleur, nous allons commencer par faire des longs spaghettis. Voilà pour le jaune. On peut faire la même chose avec les autres couleurs. On est parti, la même chose avec le rouge. Nous voici prêts avec le rouge. Nous voilà avec le noir. Nous avons donc nos trois couleurs. Alors je nettoie un peu le plan de travail pour éviter de contaminer les couleurs. Nous allons maintenant pouvoir rouler le lollipop. Alors on prend noir, jaune et rouge. Je les accroche tous les trois au départ. Et je vais maintenant les torsader tout doucement pour qu'ils me fassent un joli lollipop. Vous l'aurez compris, aux couleurs du drapeau de la Belgique. La torsade, une fois amorcée, voilà, et vous avez ici une jolie torsade au début. On coupe le reste et maintenant, on va l'agrandir. Voilà, je pense que j'ai assez pour faire mon lollipop. Le lollipop est un petit bonbon qui se torsade sur lui-même en spirale. Voilà donc notre joli lollipop aux couleurs du drapeau belge. Vous pouvez mettre la petite pique du cure-dent pour faire le bonbon. Avec la pâte qui vous reste, vous pouvez en faire plusieurs pour faire par exemple une petite vitrine pleine de lollipop. On se retrouve donc dans 30 minutes après cuisson au four à 110 degrés pour vernir et monter notre petit lollipop. Nous revoilà après la cuisson de 30 minutes. Nous allons mettre le vernis. Les lollipop vont rejoindre ma collection d'objets aimantés. Je vais donc leur mettre, comme la fois dernière, avec les petits smileys, un mini aimant sur le derrière, ici. Juste au milieu, pour pouvoir, par la suite, les poser sur mon frigo. La touche finale à nos lollipop est ainsi donnée. Vous avez une jolie sucette avec un aimant par derrière. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu ou vous abonner pour d'autres vidéos. À bientôt!